Emmanuel Rivas. Bonjour Franck. Alors, vous avez présenté à la presse aujourd'hui la 9e édition de Montélimar Couleur Lavande. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette 9e édition ? Mais pas mal de nouveautés, effectivement. 9e édition, on est en pleine saison de la lavande, samedi 9 et dimanche 10 juillet. C'est important de le rappeler qu'on sera sur les allées provençales et dans le jardin public de Montélimar. Et puis ben, on a décidé de se renouveler, d'abord parce que c'est une commande politique, on nous a demandé de faire des animations un petit peu différentes chaque année. Donc on s'est orienté vers des nouveaux ateliers cette année, avec la création de poupées à base de lavande. Donc on va utiliser la tige et la fleur de lavande pour constituer le corps de cette poupée un petit peu spéciale, faite à base donc de récupération des végétaux naturels. On va mettre un petit peu de tissu, un petit peu de raffia, et donc on va créer de véritables poupées de lavande que les personnes pourront confectionner elles-mêmes et repartir avec, bien sûr. C'est un beau cadeau. Et c'est ouvert à tout le monde, petit. C'est ouvert à tous, petits et grands, et c'est complètement gratuit. Le deuxième atelier, c'est l'atelier Ocre de Roussillon. Là, on va travailler la terre de Roussillon qui va être mélangée à des pigments pour faire des dessins à base de lavande et plus particulièrement investir les trottoirs, les sols, les arbres, les murs, tout ce qui est autorisé parce que c'est complètement naturel, c'est complètement biodégradable aussi, donc ça part avec la pluie ou un coup de karcher, un coup de jet d'eau. Donc là encore une nouvelle animation gratuite pour tout le monde. Là même les petits boutchous qui ont 2 ans vont pouvoir tripoter un petit peu avec les pinceaux cette terre. Donc voilà, une nouvelle animation originale. On fournit tout avec une équipe d'encadrement, des animatrices vraiment spécialisées qui vont aider les personnes, les accompagner dans leur très beau dessin. Les balades en calèche sont, elles, prévues uniquement le dimanche après-midi. Là, c'est la seule animation où on demandera une petite participation de 2 euros par personne. C'est plus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage au niveau des calèches et qu'on puisse monter sereinement les uns après les autres. On pourra prendre les tickets bien sur place de façon à monter sur ces calèches. Ganou, c'est la mascotte de l'office de tourisme à destination des enfants. Donc Ganou va donner un certain nombre d'informations, d'énigmes pour découvrir justement une énigme finale et on gagnera un petit cadeau à récupérer à l'office de tourisme, enfin sur le stand de l'office de tourisme de Montélimar Couleur. Alors environ 80 exposants cette année, ils viennent d'un petit peu tous les coins du sud de la France. Drôme Ardèche évidemment, mais aussi du Var, des Bouches-du-Rhône, du Gard, etc. L'objectif, c'est de pouvoir présenter tout un panel de produits lavandés, que ce soit des produits que l'on mange, des produits que l'on regarde, de l'artisanat, des décors, et avec des petits coups de cœur comme les confits d'Amaury pour cette année. Les confits d'Amaury, ils ont créé spécialement pour Montélimar Couleur Lavande des produits originaux qu'on peut consommer, notamment pour des apéritifs conviviaux à faire chez soi. Par exemple, des confits de tomates à la lavande, de la pulpe d'olive verte aromatisée à la lavande et au piment d'Espelette. C'est véritablement délicieux. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Une crème d'ail à la lavande qui est vraiment délicieuse. Ils vont eux-mêmes les commercialiser. Donc, du coup, on fait un développement économique supplémentaire pour la lavande. Et puis, on va les retrouver à la boutique de l'Office de tourisme de Montélimar puisque toute l'année, nous avons une boutique ouverte au même tarif que chez les producteurs. On retrouvera aussi nos animations plus habituelles, notamment l'alambic en activité, là avec des producteurs qui seront présents pour animer cet alambic. On va retrouver l'atelier d'aquarelle devant un champ de lavande éphémère constitué par le service des espaces verts municipaux. Donc ça, c'est un bel événement. 380 pots de lavande vont être amenés spécialement dans le jardin public pour cette opération. On va retrouver l'atelier d'art floral de Marjorie Pavlovski et donc les animations dont on a parlé à l'instant. Alors, je vous donne rendez-vous pour Montélimar Couleur Lavande, cette 9e édition, samedi 9 et dimanche 10 juillet, sur les allées provençales et dans le jardin public de Montélimar. Donc, à bientôt ce week-end pour Montélimar Couleur Lavande.